Bonjour à nouveau, heureux de vous retrouver pour vous parler d'une prochaine fête mariale qui est peut-être un tout petit peu moins connue en France, alors que dans les Amériques, eh bien, il y a une telle ferveur populaire à son sujet que j'en suis resté complètement ébahi quand j'y suis allé il y a 2 ans. Donc j'y étais le 12 décembre, pardon, 2016, donc l'année dernière, et j'ai vu une telle ferveur et dévotion populaire pour cette fête de Notre-Dame de Guadeloupe que j'en suis resté vraiment bouche bée. À peu près 5, 6, voire 7 millions de personnes se rendent à Guadeloupe sur la colline de Tepeyac pour vénérer, pour honorer la mère de Jésus, la mère de Dieu, qui est venue visiter ce peuple du Mexique et qui est devenue donc la reine, la patronne, l'impératrice des Amériques, comme elle a été officiellement proclamée. Qu'est-ce qui fait qu'il y a une telle ferveur? Eh bien, c'est que tout simplement, l'année 1531, la Sainte Vierge Marie a décidé de poser ses pieds sur cette terre, dans le Nouveau Monde, qui commençait tout juste à être évangélisé par des missionnaires franciscains, dominicains et autres. Et dans une paroisse et un diocèse qui était tenu par les franciscains, l'évêque franciscain a évidemment tout de suite eu des doutes sur l'authenticité de cette apparition, parce que qu'un Indien autochtone se mette à parler d'une vision, c'était aussitôt un petit peu suspect. Et il a demandé un signe. Alors, en plein mois de décembre, la Vierge Marie a donné un très joli signe, qui était un parterre de roses de toutes les couleurs, telles que cet Indien n'en avait jamais vu d'aussi belles. Alors il les a toutes cueillies, il les a mis dans son manteau indien, qu'on appelle une tilma, et il est venu donc les déposer aux pieds de l'évêque. Et l'évêque, quand il a vu ces roses, eh bien, ce n'est pas les roses qu'il regardait, c'était la tilma de Juan Diego, sur lequel était imprimée donc la Vierge Marie. Et cette tilma est toujours conservée à Guadeloupe, et 500 ans après, quasiment, elle est toujours intacte, alors que c'est un tissu qui est fait en fibres de cactus et dont la durée de vie, dans les conditions de là-bas, au Mexique, avec un tel degré de chaleur et d'humidité, est en moyenne d'une vingtaine d'années. Et puis très récemment, des scientifiques ont pu démontrer qu'il y avait encore beaucoup d'autres indices, en particulier dans les yeux de la Vierge Marie, où on peut voir donc le reflet des personnes qui ont été présentes au moment où Juan Diego venait présenter donc ce signe. On y voit donc l'évêque, on y voit d'autres personnages, et ça n'a pas fini de nous surprendre. Les scientifiques continuent de se pencher sur ce phénomène qui a touché donc finalement des millions et des millions, donc non seulement de Mexicains, mais de personnes d'Amérique latine. Et ça montre bien que ça n'a pas été simplement donc en quelque sorte une tactique des missionnaires, puisque eux-mêmes avaient eu du mal à y croire au début. Et par contre, ça a été à l'origine d'un très grand mouvement d'évangélisation. Nos frères franciscains qui étaient sur place faisaient peut-être quelques centaines ou quelques milliers de baptêmes, c'est-à-dire de conversions. Mais depuis que la Sainte Vierge y a posé ses pieds, eh bien, c'est par millions que les gens viennent et se sont convertis, et qui fait qu'aujourd'hui encore, 500 ans après, il y a une telle ferveur. Ferveur que je pense qu'il est important de pouvoir découvrir pour pouvoir aussi s'en inspirer. Voilà, je vous souhaite cette grâce de pouvoir vous y rendre un jour, et j'espère que vous serez aussi touché que moi. Alléluia.